sujet délibère, je suis un Ben Hamida. C'est pas la même sentence pour nos parents, faut éviter tout ça. Ils vont pas vivre 100 ans, mais toujours la cagoule. Ils te repèrent pas derrière la classe sans teint. Je connais mes proches, je peux dire qu'il a un bon cœur, mon pote 120 fini. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lacé. Chez qui, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. L'équipe comme d'hab pour cette vidéo sur Rousse passe entrée hier soir aujourd'hui. Je vais pas faire de longue intro, de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. À l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Seth Gecko qui a ouvert son deuxième restaurant à Marseille, qui s'appelle le Barlou Burger. Et il ouvre en fin de semaine, en gros vendredi. Et Seth Gecko, il sera présent pour l'ouverture. Donc voilà l'équipe, je vous invite à aller manger un petit burger pour ceux qui sont sur place. Ensuite l'équipe, on a Falco qui a annoncé que son nouvel album en édition limitée qui s'appelle Black Code Tome 2, qui est disponible en précommande. Et chant qui va être vraiment énorme. Et il y a plusieurs bonus qui sont dispo à l'intérieur. Ensuite l'équipe, hier on a parlé du Centre National de la Musique qui a annoncé un rapport sur la fraude en streaming. Bref, et bah suite à ça, il y a Booba qui avait accusé Vald. Et ben bah, on a également Rof justement qui a réagi suite à ça. Il a dit, ça n'a plus d'importance maintenant, tout le monde est positif. Faites plutôt un vaccin contre la triche, avec un pass stream obligatoire. Et après, on enchaînera une guerre histoire de déplorer le game et assainir la couche de la zone. Avec deux smileys morts de rire. Bref, on s'en ouf. Donc voilà. Donc ouais, il est en train de dire comme quoi bah tout le monde triche, t'as capté, et que ça y est, tout le monde sait tout quoi. Ensuite l'équipe, on a l'épisode 3 de la Cité des Rêves qui est sorti aujourd'hui. Et il est plus long que d'habitude. Et pour l'occasion, il y a des personnes qui seront tirées au sort dans les commentaires et qui recevront un pass premium pour voir la saison complète. Donc franchement, pour les personnes qui sont intéressées, vous avez juste à commenter. Vous pouvez mettre un 1, 2, un 3, tu vois, n'importe quel commentaire, même un chiffre, ça sera pris en compte. Donc vraiment bonne chance à tous et je vous invite vraiment à aller voir l'épisode parce qu'il est grave croustillant. Personnellement, j'ai grave kiffé. Ensuite l'équipe, ça a rien à voir au rap français, mais je tenais vraiment à vous en parler. On a Drake qui est en vacances actuellement. Et en gros, il a croisé un fan qui fêtait son anniversaire. Et ben Drake, il lui a offert 10 000 dollars de cadeaux. Donc franchement, gros respect à lui pour son geste. Ensuite, en parlant de Booba, il a piqué le motif en story, car en fait, le motif, il l'a bloqué sur Instagram. Et bah Booba, il lui a dit, le vrai motif, bah alors, grand youtubeur, t'es où? T'essayes de vendre des NFT? Avec un smiley mort de rire. T'as pas percé avec Easily? Donc voilà, avec un point d'interrogation. Ensuite, l'équipe, il y a Damso et Aya Nakamura qui ont confirmé leur featuring hier en vidéo. Et il est sorti aujourd'hui. Le son, il s'appelle Degen, et il ramène un petit côté d'été, donc franchement, ça fait grave plaisir. Et dites-lui de faire un snap, parce que voilà... Je suis pas bon dans les réseaux, mais après, j'ai commencé à poster les trucs, blablabla. C'est ça. Ensuite l'équipe, on a Impliqué 140 qui a annoncé qu'il va faire son tout premier concert. Et ça sera à l'Olympia le 21 octobre. Donc voilà l'équipe, pour les personnes intéressées, c'est dans quelques mois. Ensuite l'équipe, ça je tenais vraiment à vous en parler. On a FIFA 22 qui ont supprimé de leur jeu l'équipe de la Russie et les clubs russes. Et ils ont même les restaurants McDonald's qui ont fermé en Russie. Ça commence à être vraiment chaud. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe. Ensuite l'équipe, on a Redden Wins qui a sorti un featuring entre ZKR et Rof. Et en gros il reprend deux musiques de chaque rappeur pour en faire une seule, avec une instru différente. Bref, il est vraiment trop chaud, je vous invite à aller voir ce qu'il fait l'équipe, je le mets dans la description. Ensuite l'équipe, on a Niro qui était en concert à Metz-Borny la semaine dernière, et c'est exactement là où j'habite, bref. Et j'ai entendu justement qu'il y avait eu des débordements, etc. Et je me suis renseigné un petit peu, et je suis tombé sur cet article. En gros, ça a été publié la semaine dernière, et c'est écrit. Fin de concert tendu à la BAM de Metz, des feux d'artifice tirés sur la police. Ce samedi soir, le concert du rappeur Niro a dû prendre fin prématurément. La police a été appelée pendant le spectacle, à cause de tensions aux abords de la salle. Un jeune homme est toujours en garde à vue. Il aurait tiré deux feux d'artifice en direction des forces de l'ordre. Donc voilà. Et de ce que j'ai entendu, il y a eu plusieurs hauts de feu qui ont été tirés et c'est vraiment parti loin à ce qui paraît. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. J'ai délibère, je suis un Ben Hamida. C'est pas la même sentence pour nos parents, faut éviter tout ça. Ils vont pas vivre 100 ans, mais toujours la cagoule. Ils te repèrent pas derrière la classe sans teint. Je connais mes proches, je peux dire qu'il a un bon cœur, mon pote 120 fini à terre. Tu verras tes vrais potes, tu verras qui s'en va. Quand les Schmitt viennent chez toi, ils viennent pas demander si ça va. Garde ton influence de merde, on suit les chirés, les savants. 4 balles le loki, le prix de la dalle, pas ils t'ont mis 10 savants. Du truc. Ta la
voilà les kids, 60 rires sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop tard. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, petit chien, et François, me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu m'en as trois. Puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je te mens pas, j'ai galéré pour faire la phrase là, c'est une dinguerie. Juste au passage, l'équipe, pour les personnes que ça intéresse, je vais réagir justement sur les délires de TPMP, etc. Tu vois, mais sur Snapchat. Comme ça, on va faire hors YouTube par rapport au rap, etc. Tu vois, comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop tard. Je te dis à soir pour une même conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi. Ouais, je te mens pas, j'ai galéré pour faire cette vidéo. C'est vraiment une dinguerie. Il y a tout qui buguait, plus moi, ma voix, tout vraiment, c'est une dinguerie. Enfin bref, peace les gars. Je peux pas dire que mon aspect diminue, le terrain j'ai ouvert ou vers après minuit. Je suis plus targivore quand j'aime trop la laitue, mais je deviens carnivore quand je touche à la mif. Les vrais me parlent pas, tu sens sur la quiche là. J'appelle le baveux, je lui dis que je veux pas faire les 100 pas. Encore un freestyle, c'est minimum 4. Même si ça marche pas, je continuerai, il faut que ça paye. Les vrais me parlent pas, tu sens sur la quiche là. J'appelle le baveux, je lui dis que je veux pas faire les 100 pas.